Bienvenue sur Mango Télévision, bienvenue sur Reverbère. Reverbère se penche sur l'actualité du moment avec une formule revue et corrigée. Deux invités de marque sur le plateau. Reverbère reçoit donc Aimé Cyprien Olinga et Thierry Batoum. Aimé Cyprien Olinga, bonjour. Bonjour Bernard Dieudonné intervenant, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Ok, M. Cyprien Olinga est le président du Front démocratique révolutionnaire. C'est un parti politique. Et puis, il y a Thierry Batoum. Thierry Batoum, bonjour. Bonjour, Bernard Jodonatana. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Je dis bonjour à mon co-panéliste, M. le président M. Cyprien Olinga. Je dis également merci à votre directeur qui, je ne sais pas quel sortilège, m'a permis d'être ici et... Pendant plusieurs années, je me suis retiré des médias. Il me remet à la face du monde. Ok, on va tout de suite attaquer l'actualité de l'heure, à savoir la crise sanitaire qui secoue le monde entier en général, l'Afrique et le Cameroun en particulier. Alors, Aimé Cyprien Olinga, comment vivez-vous le confinement en ce moment ? Ben écoutez, je vis le confinement comme tous les Camerounais. Je voudrais dire que c'est une période assez difficile, ça il faut le dire. Je suis pratiquement chez moi, en famille. Je ne sors que pour des cas d'extrême nécessité, des cas d'urgence et je dirais même des cas importants. On ne sort plus n'importe comment, comme avant. Et on a essayé de réduire au maximum les sorties. Nous ne sortons pour l'instant que pour venir, par exemple, à la télévision, Mango. Et bien évidemment également pour des cas politiques d'une extrême urgence. Nous ne sortons plus n'importe comment, rassurez-vous. Ok, Thierry Batoum, M. Cyprien Olinga ne sort plus n'importe comment, il est dans le confinement. Et de votre côté, comment vous passez ce confinement? Je ne pourrais dire si nous sommes en confinement, parce que si on va dans une analyse comparée, le confinement qui se vit actuellement, que ce soit dans les pays voisins ou alors dans les pays occidentaux, n'est pas le même avec le nôtre. Je peux seulement remarquer que cette pandémie nous a ramenés aux règles élémentaires d'hygiène, c'est-à-dire on doit se laver les mains constamment, on ne doit pas se rapprocher des personnes lorsqu'on est en échange verbal, parce que dans chacun de nos échanges, il y a un échange de postillons et donc échange de micro-organismes. Bon, les mesures ont été prises par le gouvernement qui nous rappelle à cela et nous les respectons tout simplement. Oui, il y a au moins ces 13 mesures arrêtées par le gouvernement camerounais. Alors, M. Cyprien Olinga, comment jugez-vous les actions et réactions du gouvernement face à cette pandémie? D'abord, je voudrais observer que les 13 mesures, plus les quelques mesures supplémentaires qui ont été adoptées par le gouvernement, ne sont pas mauvaises. Mais je dois avouer qu'elles sont très insuffisantes pour l'instant. Le Front démocratique révolutionnaire pense que le gouvernement serait allé un peu plus loin parce qu'il ne suffit pas simplement de prendre les mesures d'austérité sans qu'il y ait de manière concomitante des mesures d'accompagnement. Voyez-vous, lorsqu'on prend certaines mesures de restriction, il faut bien que, à côté de ces mesures qui sont déjà pas mauvaises, mais il faut les accompagner, je l'ai souvent dit, je ne cesserai de le dire, par des mesures d'accompagnement. C'est en cela que ces mesures pourraient produire véritablement des résultats probants. Mais lorsqu'on prend simplement des mesures comme celle-là, sans les accompagner, par exemple, par une suite de mesures que nous avons proposées depuis longtemps, à savoir... En quelques lignes, tout simplement. À savoir sur le plan, par exemple, social, il faudrait bien que lorsque les gens restent chez eux, confinés, et qu'on ne voit pas Enéo pointer le nez à la fin du mois avec ses factures, qu'on ne voit pas, par exemple, la Cam Water venir avec des grosses factures, alors que vous avez eu difficilement la possibilité d'aller chercher de l'argent. Je dis, par exemple, qu'il faudrait que le gouvernement, pour ces mois, deux ou trois mois, puisse geler le paiement des factures d'eau et d'électricité, par exemple. Il faudrait, par exemple, que sur le plan scolaire, il y ait un réaménagement.
du calendrier des examens, et ainsi de suite. Sur le plan des entreprises, ça, il faut le dire, c'est une espèce de casse-tête chinois. Il faut remarquer que la plupart des entreprises privées vont simplement tourner au ralenti et beaucoup vont fermer les portes. Il faudrait, et sur le plan fiscal, que le gouvernement apporte un certain nombre de solutions pour que ces entreprises-là ne soient pas asphyxiées et que, justement, ces promoteurs puissent être en mesure, pendant cette période difficile, bien entendu, de payer le personnel. Voyez-vous, lorsque quelqu'un n'a pas de revenus, il est tout à fait normal qu'il ne puisse pas, à un moment donné, respecter les mesures. Ok. Merci, Pierre Linda. On retient tout simplement que vous réclamez la gratuité de l'électricité et même du courant. Voilà la subvention des entreprises et un certain nombre de secteurs de notre économie qui vont certainement battre de l'aile avec un risque évident, justement, de crise économique à terme. Monsieur Pierre Linga, vous, en dehors d'arborer la casquette d'un politique, vous êtes également enseignant et rentrant dans le registre de l'enseignement, puisqu'on parle du coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier. Le ministère de l'Éducation de base et des enseignements secondaires, dans un communiqué conjoint, nous annonce la reprise des classes pour bientôt et se rebiffe. Ensuite, c'est quoi ce désordre, Émissi Priolinga? Écoutez, c'est le manque de coordination. Il faut le regretter. Moi, je trouve ça extrêmement scandaleux. Voyez-vous, il y a un principe dans les responsabilités qui voudrait que, puisque c'est le Premier ministre, à mon sens, hein, c'est le Premier ministre qui a, sur instruction, je suppose, du président de la République, instituer les 13 mesures auxquelles on faisait allusion. Moi, je pense que c'est le Premier ministre, à la suite de ces décisions, qui a ordonné la fermeture des établissements et des universités. De mon point de vue, donc, il faudrait que ce soit également le Premier ministre qui vienne lever ces mesures. Et à partir de ce moment, je commence à penser qu'il manque cruellement de solidarité au sein de ce gouvernement, ce qui est extrêmement dommageable dans la situation que nous vivons en ce moment. On ne peut pas se permettre ce genre de cacophonie au moment où tout le monde, où tout le gouvernement devrait faire chorus, où tout le monde devrait regarder dans la même direction autour du Premier ministre, sous la coordination du Premier ministre. Je trouve que... Mais heureusement, le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait une sortie dans ce sens pour recadrer ces deux ministres en question. Ben, écoutez, ça vient un peu tard. Voyez-vous, on se serait attendu à ce que nous n'arrivions pas à ce genre d'écart. Lorsque le gouvernement, l'action du gouvernement est coordonnée, lorsqu'il y a une certaine cohésion, je peux comprendre aujourd'hui la fièvre qui de plus en plus monte dans ce gouvernement-là, avec l'hypothèse, si vous voulez, d'un remaniement gouvernemental après le double scrutin. Écoutez, chacun apparemment voudrait absolument montrer qu'il travaille et pour simplement sauvegarder son strapontin. Mais sauf que ce genre de cacophonie fait désordre. Il faudrait effectivement que le Premier ministre reprenne en main son autorité et que le président de la République, me semble-t-il, dans la situation actuelle, essaie très rapidement, justement, de remettre les pendules à l'heure, justement, en procédant à ce remaniement gouvernemental qui a trop duré et qui fait qu'aujourd'hui, chacun aille de sa verve, chacun essaie de prendre des décisions. Il y a cette cacophonie et je pense qu'il est temps, effectivement, que le président de la République siffle très rapidement la fin de la récréation en recadrant les uns les autres et en procédant à ces remaniements qui, de mon point de vue, devraient déjà intervenir. Je crois que ça arrêtera justement cette cacophonie qui commence véritablement à embêter les esprits, même les plus réservés. Ok,
Thierry Batoum, on a évoqué en amont tout à l'heure les 13 mesures dès le départ prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie, le coronavirus. Il y a eu d'autres mesures supplémentaires, à savoir le premier ministre chef du gouvernement, le docteur John Gouté, qui a prescrit le port obligatoire des masques ou alors les cache-nez, à tous les Camerounais. Parlons donc de la protection par le port des masques ou des cache-nez. On nous annonce que l'utilisation des masques doit obéir à une règle de changement des masques toutes les 2 à 3 heures. En clair, pour une journée de 12 heures, il nous faut environ chacun 6 masques, dont chacun est évalué à 250 francs CFA, soit 1500 francs CFA par jour. Les Camerounais, Thierry Batoum, ont-ils les moyens de s'offrir autant de masques? Monsieur le Président, on a posé là une très bonne question. Et permettez-moi de dire moi aussi la question, la présente question que je voulais poser au président Olinda. En quelques secondes. Il faut dire qu'au-delà de la cacophonie, l'attitude des deux ministres en charge de l'éducation, à savoir l'éducation de base et l'éducation de l'enseignement secondaire. Enseignement secondaire et éducation de base. Enseignement secondaire. Révèle ici, là, au-delà de la cacophonie, une logique de, que nous avons toujours décriée ici, hein, de gourmandise, de la dépense. Parce que, voyez-vous, le président a créé un fonds d'urgence sanitaire. Chaque ministère a un budget qui doit écouler au courant de l'année. Les activités au niveau de l'éducation ayant donc été arrêtées, vous voyez, et ce que je dis là concerne tous les ministères, on se serait attendu à ce que ces différents ministères fassent des propositions, c'est-à-dire fassent une jonction de leur budget et versent ça dans ce fonds d'urgence. Mais que non. Chacun veut plutôt cramper la main dans ce fonds-là créé par le président de la République de son côté pour prétendre terminer les objectifs qui lui ont été assignés au courant de l'année. Avant de penser la fin de l'année scolaire, on devait d'abord nous dire quelles sont les mesures qui sont prises et qui seront prises devant permettre éventuellement la reprise des cours. On ne nous a pas dit ça. Nous connaissons l'état dans lequel nous évoluons dans nos différentes salles de classe. Nous connaissons l'état de délabrement de nos différents établissements scolaires. Rien n'est encore fait, M. Bernard Tanda. Donc, c'était vraiment prématuré de sortir et de prétendre à une supposée reprise des cours des cours. La prochaine semaine. Le ministre en question, plus précisément, le ministre de l'Éducation de base, annonçait la reprise des cours pour le 20 de ce mois, donc le 20 sans nous dire quelles sont les mesures qui avaient été prises pour, sur le plan sanitaire dans les différents établissements. C'est ce que je suis en train de dire. Cela ne nous a pas été dit. Il s'est empressé à nous dire l'école va reprendre. Alors que l'école a fermé, il n'y avait pas encore de mort de coronavirus dans notre pays. Nous étions, okay, à, quelques dizaines, la... nous étions à quelques dizaines de contaminés. Alors, voilà, question c'est qui a été une, posée. C'était une décision amphigourique. Alors, pour, concernant donc le port des masques. Justement, là aussi, nous prenons cette mesure du gouvernement qui, ma foi, est très légère. Parce que le président Olinga, en temps de son propos, a parlé du manque de mesures d'accompagnement. Voyez-vous, les denrées alimentaires ont augmenté. Le taxi a doublé. Hein? La vie est devenue triplement plus cher. Et maintenant, à ça, vous devez ajouter l'achat des masques qui, au bas mot, le masque le plus cher, qui est donc le plus mal fait, coûte 250 francs. Et on vous demande de l'utiliser pendant un temps de 3 heures et de le changer. C'est vrai, on peut le laver. Mais nous savons que ces temps-ci, nous sommes en début de pluie, donc le masque ne peut pas sécher en 3 heures. Donc, il vous faut un minimum de 5 max, de 5 masques. Au moins 2. Justement. 2 masques. Donc, je pense que le gouvernement devrait, bon, même pas seulement lui, mais les partis politiques, les élites, devraient aider le gouvernement et donc permettre aux populations de pouvoir avoir ces masques-là qui,
dans une certaine mesure. Mais on nous annonçait un stock de masques qui devait arriver au Cameroun, juste une première partie. Moi, j'ai plutôt suivi un stock de masques qui est en train d'être fabriqué par la SICAM, ici à Yaoundé, il y a Douala, mais on ne nous a pas dit si ce sera distribué ou alors si ce sera vendu. Et nous sommes déjà en milieu de semaine, cela avait été annoncé pour le début de la semaine. En fait, les actions doivent précéder la décision. Mais chez nous, c'est la décision qui précède l'action. On prend d'abord la décision et on se met à réfléchir sur comment est-ce qu'on va implémenter ça. Et ce n'est pas de nature, je vous le dis Bernard, à repousser véritablement le coronavirus qui a déjà pris corps avec nos corps. Ok. Aimé Cyprien Odinga, dans la stratégie de communication du ministre de la Santé publique, il a pris une stratégie, bien sûr, d'étudier les informations tous les jours, informations inhérentes à l'évolution du coronavirus. Mais il a aussi revu cette stratégie de communication. Et d'après, dans les dernières notes, dans le tweet de cette semaine, le ministre évoque 165 cas guéris, 17 décès. Et donc, il a aussi parlé de ces malades-là qui sont sous oxygène, traitement sous oxygène, une trentaine de malades. Mais la question que je m'en vais vous poser est de savoir comment le gouvernement pourrait-il faire pour permettre à chaque citoyen d'avoir le nombre de masques requis. Aimé Cyprien. J'ai suivi tout à l'heure Thierry qui interpellait justement le gouvernement, qui interpellait les partis politiques, effectivement. Je pense que nous avons affaire à un état, et je l'ai souvent dit, nous avons l'impression, et ça s'il faut le regretter, que depuis que cette épidémie, cette pandémie, n'est-ce pas, a été signalée dans notre pays, le gouvernement semble avoir démissionné de ses responsabilités. Et c'est ça qui me semble proprement scandaleux. On ne peut pas comprendre que des pays de niveau de développement comparable au nôtre ait pris un certain nombre de mesures sur le plan gouvernemental en mettant en place un fonds adéquat pour lutter contre cette fameuse pandémie et que chez nous, jusqu'ici, on ne nous parle qu'un fonds de solidarité où les citoyens doivent venir. C'est le président de la République du Cameroun, pour préciser, qui a initié ce fonds de solidarité. Mais dans la cagnotte, lui-même a d'abord déposé 1 milliard de francs CFA. Je vous dis donc, si nous prenons des pays comparables, au niveau du développement comparable au nord que la Côte d'Ivoire, j'ai cru entendre que le gouvernement ivoirien a mis en place un fonds de près de 1700 milliards. Vous avez vu un pays comme le Sénégal qui a mis en place un fonds de 1000 milliards. Vous comprenez que... Je crois qu'il y a aussi des mesures qui ont été prises au Tchad. Il y a même, vous parliez tout à l'heure de la gratuité de l'eau et de l'électricité. Voilà les mesures qui viennent d'être prises ailleurs. Du côté du Tchad. Je vous ai dit que toutes ces mesures sont prises ailleurs. Et l'État, c'est l'État qui intervient dans ces différents domaines. En subventionnant, en prenant en charge un certain nombre de dépenses qui, naturellement... rentre dans la lutte contre cette fameuse pandémie qui est en train de décimer les citoyens. Mais on a l'impression chez nous, et ce n'est même pas qu'une impression, c'est une réalité, que le gouvernement a totalement démissionné de ses responsabilités. J'ai entendu en son temps un ministre claironner lorsqu'il fallait dire un certain nombre de méchancetés sur un leader politique de la place en disant que l'État allait sortir ses muscles. Alors, nous, là où on attend que l'État du Cameroun sorte ses muscles, à savoir mettre en place un certain nombre de fonds de souveraineté. Où sont les fonds de souveraineté dans ce pays? Où sont les fonds? Mais je crois que ailleurs on l'a fait. Chez nous, on ne le fait pas. On demande simplement aux citoyens de venir cotiser. Mais c'est curieux. Où est passé l'État dans ces conditions? Et moi, j'ai dit, ça ne peut, ce n'est pas responsable. C'est irresponsable de la part de notre État. Et c'est une incompétence manifeste de la part de notre gouvernement de ne pas véritablement, s'impliquer en mettant en place, comme les différents gouvernements que nous avons cités et bien d'autres. Je voudrais vous dire qu'à côté, à Madagascar, ben, les gens sont confinés. L'État essaie, va jusqu'à apporter la nourriture
à ces populations qui sont... Mais chez nous, vous devez acheter, vous devez tout acheter et vous n'avez pas de revenus. Mais c'est pour cette raison tout à l'heure que je vous parlais de mesures d'accompagnement. Ce sont les fonds de l'État qui devraient donc permettre à toutes ces différentes dépenses de pouvoir se faire en toute sérénité. D'accord. Sans que cela vienne encore davantage appauvrir le Camerounais qui est déjà suffisamment appauvri. Okay. Je pense que... Mais c'est plus Linda, ok. On vous a parfaitement compris, hein. On vous a compris. Alors, tout à fait. Vous êtes très clair dans votre démarche. Il n'y a aucun problème. Alors, Thierry Batou, il y a certains Camerounais qui semblent faire la fine bouche face aux mesures du gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Alors, comment véritablement faire? Parce que quand on parle du port de masque obligatoire, et encore certains Camerounais qui déambulent dans les rues sans masque et qui vont dans les lieux publics sans masque. Alors, comment faire pour impliquer une très large partie des Camerounais dans la lutte contre cette pandémie? Bernard Jonathan, il faudrait tout simplement qu'il y ait des mesures d'accompagnement. On ne va pas revenir là-dessus. Mais je voudrais dire un mot concernant le fonds. Ah, vous dites que vous n'allez plus revenir oui. Okay, avant ça, J'ai déjà répondu. Concernant le fonds, parce qu'il y a quelques incompréhensions. Certains pays, notamment le Bénin, le Tchad, le Sénégal, ont bénéficié de l'aide du Fonds monétaire international. Et ce qui leur a permis d'ouvrir ce fonds à hauteur de 1 000 milliards et autres. Mais la Côte d'Ivoire, par contre, n'a pas bénéficié de ça comme le Cameroun. Vous savez, à sa tête, un président qui est un ancien, je crois, de la Banque mondiale. Et donc, il a des réseaux de financement que notre État n'a pas. Et maintenant, sur le plan politique, le président de la République est confronté à plusieurs pressions qui ne lui permettent pas d'aller vers ses financiers internationaux, demander de l'aide. Du coup, c'est la raison pour laquelle il a créé ce fonds et a fait appel à l'élan national. De mon point de vue. Et j'espère donc que, avec le supposé moratoire à la suite de la demande d'annulation de la dette des pays africains qui risqueraient d'être accordés dans les prochains jours, si on s'en tient à la déclaration faite par le président Macron hier, on s'attend à ce que, bon, si cela est acté aujourd'hui par le G20 et dans les jours qui suivront par ces différents financiers, le Cameroun sa carrière pourrait augmenter en termes de mesures d'accompagnement. D'accord. Ok. Aimé Cyprien Linga, revenons un peu en quelques secondes sur la rentrée scolaire. Est-ce que l'année scolaire risque d'être blanche au Cameroun? Et puis, quelles solutions que vous pouvez préconiser au gouvernement, au conseiller même au gouvernement? D'abord, je voudrais dire et évacuer tout de suite la possibilité qu'il y ait une année blanche. Pas d'année blanche au Cameroun. Je pense que ce serait la mesure qui viendra naturellement créer une situation de coup de massue sur la tête de nos différents enfants, nos différents apprenants qui sont sur le point, et pour la plupart, du moins ceux qui vont présenter des examens officiels. Je pense qu'il faut tout simplement que le gouvernement... j'ai pas totalement été contre la décision des deux ministres. Je disais simplement qu'il fallait que ces décisions soient soumises au premier ministre du gouvernement pour que c'est lui qui les rende publiques, n'est-ce pas? Comme ça l'a été avec les 13 mesures. C'est la seule différence. Je pense que quand on regarde les différentes... D'ailleurs, le Front démocratique révolutionnaire, mon parti, a proposé justement un réaménagement du calendrier des examens. Premièrement, en prenant en compte le fait que le troisième trimestre n'a pas été abordé. Mais je dois dire également que pour ceux qui sont des enseignants, nous savons quand même que... à la fin du deuxième trimestre, la plupart des programmes sont déjà couverts, au moins à 80-85%. Donc, il est tout à fait normal que, lorsque les programmes sont quand même couverts à 80-85%, qu'il y ait des examens officiels. C'est vrai qu'il y a des cours qui sont dispensés via le média d'État, qui est la CERTV, en direct pour les élèves qui sont en classe d'examen. Écoutez, oui, je ne sais pas si les enfants qui sont en Guelmé-Lucas, qui sont dans les lycées d'un certain nombre de localités, qui ne sont pas
électrifiés bénéficient également de ces cours. Mais je dois dire quand même que, comme j'ai commencé à le dire, à la fin du deuxième trimestre, parce que l'épidémie est arrivée pratiquement à la fin du deuxième trimestre, je pense que pour des enseignants consciencieux, et je sais que les enseignants, ils sont très consciencieux, la plupart étaient déjà autour de 85, 80, 85% de couverture des programmes. Donc, j'ai dit, il faut surtout pas déclarer l'année blanche. D'accord. Ce serait catastrophique. Deuxième chose, il faut aménager le calendrier des examens, quitte à repousser à faire en sorte que la plupart des examens même se fassent au mois de juillet, août. Et je crois que, en prenant en compte également que le troisième trimestre pourrait prendre le mois de mai, je crois que c'est encore possible, on peut encore tout rattraper. Il ne faut pas être aussi alarmiste. Ok, dans le Thierry Batou, dans la lutte, la campagne de la lutte contre le coronavirus, on a l'impression que les médias privés sont écartés de ce combat par le gouvernement. Quelle est votre réaction? Nous savons tous que certains médias privés, lorsqu'ils sont appelés au gouvernement, c'est pour l'agent de taxi. Mais vous posez là un problème réel, parce que vous êtes un homme de médias privés, excusez-moi. C'est vrai. J'observe de loin. Si vous le dites, c'est que c'est vrai. Mais je pense que le gouvernement, peut-être, je ne suis pas apte à parler au nom du gouvernement, peut-être ne fait pas forcément confiance à certains médias privés. Vous avez vu la sortie du président, du ministre Atangandi il y a quelque temps, qui fustigeait certains médias, sauf que ce soit de la presse, de la radio, bien de la télé. Alors quand on regarde bien, c'est même la presse privée qui joue le véritable rôle dans la sensibilisation. Alors si ce que vous même dites, dans l'information. Ce que vous dites est donc avéré, ce serait donc une erreur de communication du gouvernement d'écarter ces médias-là qui, de mon point de vue, sont beaucoup plus proches des populations et même des communautés que le média officiel. Donc, ils devraient travailler avec ces médias. Donc, à vous entendre, le gouvernement devrait travailler avec les deux entités, c'est-à-dire le média pro ou gouvernemental et le média privé. Il va sans dire que le gouvernement a besoin de ces deux types de médias, mais davantage le média privé, parce que le média privé a une ligne éditoriale qui est beaucoup plus large et est plus écoutée par les populations, concrètement aux médias officiels, qui lui a un discours qui est encadré et très souvent, les populations ne s'y retrouvent pas. D'accord. Aimé Cyprien Olingam, parmi les mesures du gouvernement, il y a la fermeture des débits de boissons et même de certaines alimentations à partir de 18 heures. Et cela a des conséquences sur l'économie du Cameroun. Alors, pensez-vous que notre économie survivra du choc de la pandémie? Avant, je voudrais prendre juste une seconde pour répondre à cette question que vous venez de poser. Allez-y. Pour dire que la communication aujourd'hui, la communication gouvernementale semble être inaudible. Parce qu'en fait, lorsque le gouvernement se focalise sur les seuls médias officiels, et Thierry a bien fait de le signaler ici, je crois qu'aujourd'hui, nos populations font beaucoup plus confiance aux médias privés. Et le gouvernement, s'il veut que sa communication soit audible, soit suivie, a intérêt. Et je crois que dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, aujourd'hui, on a besoin justement que les populations soient sensibilisées, informées. Et je peux vous dire effectivement que près de 70-80% de Camerounais aujourd'hui suivent les médias privés. Et ils estiment effectivement, peut-être à tort ou à raison, que ce sont ces médias-là qui disent la vérité. Et je crois que le gouvernement gagnerait à intégrer dans la stratégie de communication les médias privés dans la lutte ou alors dans la communication, l'information, la sensibilisation des citoyens. Et pour revenir maintenant à la question que vous posez, je vous ai dit tout à l'heure que, et je peux déjà d'emblée, modestement, j'ai fait aussi de l'économie, je dois dire que le pire risque même être à venir. Notre économie, On ne les préconise pas. Peut-être que nous prions Dieu pour que cette maladie passe très vite. Oui, mais écoutez, Bernard, sauf que l'économie n'a pas besoin de prière. L'économie est une science. L'économie a des canons.
vous aurez prié du matin au soir, si vous ne mettez pas en branle un certain nombre de canons, de canaux, de décisions, ben, l'économie va chavirer et vous serez en banqueroute. Donc, les prières, oui, mais les prières ne s'accommodent pas avec l'économie. Je crois que c'est une science. Je voulais simplement dire qu'il faut que le gouvernement du Cameroun, effectivement, fasse tous les efforts nécessaires. Parce que lorsque j'ai fait un certain nombre de recherches, j'ai fait un certain nombre de simulations en tant qu'économiste, modestement, je me suis rendu compte que pour que, justement, notre économie ne soit pas totalement ruinée, et pour une période de 3 mois, simplement dans la durée de 3 mois, en prenant l'hypothèse que la pandémie ne dure que 3 mois, je vous assure, lorsque j'ai fait des simulations, il faudra injecter dans notre système économique pratiquement 50 millions de dollars dans une période de 3 ans pour rattraper justement tout ce qu'il y a à faire en termes de mesures d'accompagnement et surtout en termes d'appui financier aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, à toutes ces... Voyez-vous, lorsque on parle de... Il y a toute une économie qui fonctionne après 18 heures. Par exemple, les snack bars, et tout ce, les boîtes de nuit et tout cela. Qui ferment à 18 heures. Il faudra subventionner parce que tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans ces secteurs d'activité sont totalement au chômage. Tout est fermé. Il faudra à un moment donné justement que le gouvernement, en termes de mesures d'accompagnement dont je parlais tout à l'heure, investisse massivement dans ces secteurs qui aujourd'hui payent le prix le plus fort de cette pandémie. Et je vous assure qu'il faudra que le président de la République sache que le pire est à venir sur le plan économique. Et il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il mette en place véritablement un gouvernement de combat, un gouvernement qui sera face à des sérieuses difficultés avec des hommes et des femmes patriotes qui pourront justement, non seulement parce qu'il faudra de l'austérité, qui pourront faire comprendre, par exemple, à nos populations que certaines mesures d'austérité sont nécessaires pour qu'à terme, dans 1 an ou dans 2 ans, on retrouve une certaine embellie. Et il faudrait des hommes et des femmes qui inspirent confiance à cette population. Mais je ne pense pas que le gouvernement qui est là actuellement est capable justement d'apporter ces solutions, d'injecter massivement ces ressources auxquelles je faisais allusion. Lorsque je parle par exemple de 50 millions de dollars, on est à peu près autour de 25 000 milliards de nos francs CFA. D'accord. Ok. Thierry Batoum, il y a donc grincement dedans dans toutes les activités, dans tous les secteurs économiques. Les taximens pleurent, les commerçants pleurent. C'est l'économie qui en pâtit. Alors, quel programme pour résorber les carences économiques liées à cette période en 2 minutes? Voyez-vous, je ne suis pas économiste. Je ne peux que faire des propositions qui relèvent du simple citoyen que je suis. Disons premièrement... Vous n'êtes pas économiste, mais vous vivez l'économie tous les jours. Bon, encore que notre économie est informelle, c'est une économie de survie. Je le dis en tant que profane dans le domaine. Alors, faisons un premier constat qui est que cette pandémie met au devant de la scène la faiblesse de notre État. Il y a un concept qui a été développé dans notre pays qui est celui de la tolérance administrative. Ce qui faisait que les mauvaises pratiques avaient été acceptées et je pense, et c'est ça qui est le plus difficile à gérer. C'est-à-dire, on est revenu à l'ordre concernant les taximans, par exemple. Où, au lieu de 4 passagers, ils en prenaient 5. Et cela passait. Voire même 6. Où on voyait n'importe qui vendre n'importe quoi et n'importe où sans qu'on ne vienne l'embêter. Hein? Donc aujourd'hui, nous sommes revenus un peu à l'ordre et c'est ça qui gêne un peu. C'est le temps de la crise. Hein? Il faut peut-être le préciser, Thierry Batoum. Mais, qu'après la crise, ils vont reprendre vieilles habitudes. Il faut que cette crise nous permette de prendre le cap. Moi, j'ai été au Sénégal, Bernard. Au Sénégal, on ne prend pas 2 personnes dans un taxi. C'est 1 personne. Hein? Vous comprenez? Est-ce que cela est applicable chez nous? Mais je voudrais que... Le gouvernement a pris ces mesures-là, le ministère des Transports notamment, mais il faudrait aussi revoir le tarif, la grille tarifaire. Non, mais le parent pauvre dans ça, c'est le client. Je vous dis qu'aujourd'hui, le taxi a augmenté, a doublé.
Non, les Tasmaniens ne doivent pas se plaindre. C'est nous qui devons nous plaindre. En principe, c'est le consommateur. Et je ne sais même pas à quoi c'est la situation des consommateurs. Le taxi a doublé. Une distance où vous preniez 250. Est-ce que c'est officiel? Mais nous connaissons les pratiques de notre gouvernement. Une fois que les taxis ont menacé de faire grève, on a laissé faire en principe. Donc maintenant, ça se passe comme ils veulent, quoi. Donc, et vous n'avez pas de moyens de les dénoncer. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, l'économie, certes, va en partie, mais je pense que le gouvernement doit appuyer les petites et moyennes entreprises, il doit appuyer ce côté pour que nous ne puissions pas nous retrouver après cette pandémie dans des conditions extrêmes de survie. D'accord. Et raison pour laquelle j'espère que le fonds d'urgence est en train de produire des effets et nous ne pouvons que croiser les bras, puisque le président Olinga l'a relevé ici. Nous n'avons pas pensé un jour qu'on pouvait se retrouver dans cette condition d'urgence où on pouvait aller puiser dans un fonds de l'argent pour survivre. Donc maintenant, on doit nous appuyer sur la bonne volonté de nos citoyens et même de certains amis du Cameroun, mais mieux encore à la bonne foi des Occidentaux qui font la promesse, non pas d'annuler notre dette, encore que si je m'en tiens à ce que Sankara disait, on n'a pas de dette à rembourser, mais à nous accorder un moratoire. Ok, merci Pierre Olinga. Il y a quelques années, au terme d'un conseil des ministres présidé par le président de la République du Cameroun, le gouvernement avait, pour les périodes allant de 2015 à 2017, lancé dans un plan d'urgence triennal de 925 milliards de francs CFA pour accélérer la croissance. Jusqu'à ce jour, aucune croissance ne pointe à l'horizon. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce plan triennal? Donc, comme les grands projets, on n'en parle plus. Et M. Pierre Olinga. Vous m'avez entendu tout à l'heure parler de l'incompétence de ceux qui nous gouvernent. Je crois que la noyade du plan d'urgence triennal, parce qu'il faut peut-être utiliser le terme, est le résultat justement de cette gestion à la petite semaine de notre pays, au petit bonheur de chance. C'est-à-dire qu'on ne planifie absolument rien dans notre État. Voyez-vous, c'est ce manque de planification stratégique. On a l'impression que notre État fonctionne comme quelqu'un qui vit au jour le jour, qui ne prévoit pas, qui ne planifie pas. Donc c'est du bluff. Ben, écoutez, c'était du bluff. Je ne peux pas dire que c'est du bluff, mais je sais également que les différents plans d'urgence qu'on a toujours sortis du chapeau dans notre contexte ou dans notre pays ont tout simplement permis à ceux qui étaient chargés de les implémenter de s'enrichir. Voyez-vous, les gens, on vous sort une histoire un matin, on vous dit un plan d'urgence, ça fait que les différentes administrations qui interviennent dans le plan, chacun puisse construire justement son duplex et puis c'est tout. Je pense qu'il faut nécessairement aujourd'hui, et je faisais, c'est pour ça que j'ai demandé au président de la République que dans une situation comme celle-ci, il est désormais temps, au cas où il n'aurait pas pensé, de mettre en place un véritable gouvernement de combat, un véritable gouvernement de redressement, un véritable gouvernement de réforme. Parce qu'en fait, on a l'impression que tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est des gens qui se sont inscrits dans la logique où le Cameroun c'est un gâteau, où lorsque on vous confie un ministère ou une institution, c'est votre part de gâteau qu'on vous a confié dans la République. Tous les budgets qui sont alloués, ce sont des budgets que vous devez siphonner simplement pour vous et pour votre famille. Il faut que cela s'arrête. Donc ils confondent la gestion des fonds publics à leurs propres fonds. Bien entendu, c'est impressionnant. Nous sommes là dans un État comme le Gondwana. Au-delà du Gondwana, nous sommes là dans un petit État féodal où chacun, en ce qui le concerne, pense que la responsabilité ou l'institution qu'on lui a confiée, c'est sa part, comme je disais tantôt. Vous comprenez donc qu'un plan d'urgence triennal, je ne sais pas comment, on a pu... Est-ce qu'il a été véritablement pensé, ce plan-là? Parce qu'il y a quand même des étapes pour un plan. Vous devez penser, vous devez planifier et vous devez vous rassurer qu'avant de le mettre en branle,
toutes ces différentes étapes préalables ont été remplies, à savoir penser d'abord, planifier et réunir en troisième lieu les sources de financement pour pouvoir l'implémenter. Si cela, ces différentes étapes n'ont pas été faites, il n'y a pas de raison de penser qu'on peut voir quelque chose. Cela est aussi valable pour les grands projets auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure. Les gens ont tout simplement pris les grands projets comme des sources d'enrichissement personnel, et tous les grands, les administrateurs, si vous voulez, les responsables qui ont été nommés à la tête de ces différentes structures chargées d'implémenter ou de construire les grands projets, les ont tout simplement pris comme des vaches à lait, et des occasions de s'enrichir, et le résultat des courses, on a dépensé, pour ce qui concerne les grandes infrastructures, des milliers de milliards. Aujourd'hui, on ne peut rien inaugurer. Ok. Thierry Batoum, on reste dans le plan d'urgence. Le plan d'urgence prévoyait, donc, en dehors des ressources déjà répertoriées, des ministères concernés, l'identification des fonds complémentaires, 259 millions 790 millions de francs CFA. Cette identification devait se faire par le ministre des Finances, le MINEPAT et les administrations concernées. Jusqu'à ce jour, pas de suite. Pas de suite. C'est le constat établi. Thierry Batoum. Maintenant, je vais avoir une approche diachronique, c'est-à-dire qui puisse dans le passé. En 2004, après avoir annoncé le président mort, il fallait qu'il renaisse. Elle a donc engagé la politique des grandes ambitions suite à l'appel du peuple. En 2011, après avoir démantelé le G11, qui avait l'ambition de le remplacer par je ne sais quel moyen, de quand on parlait d'un coup d'état scientifique, pour ne pas le citer, le professeur Messanga Nyamding, d'autres ont élaboré un certain nombre de théories. Le président a donc engagé la politique des grandes réalisations qui avait quatre approches. Approche politique, avec la mise en place de la décentralisation, ça a échoué parce qu'en 2016, nous avons eu le début de la crise anglophone. Je ne parle pas de Boko Haram, mais autres. Sur le plan économique, avec la construction des différents barrages et des routes qui devaient booster notre économie, et sur le plan social, donc, permettre la construction des habitats, la création des emplois, et le quatrième point sur allez plus rapidement, parce qu'il nous reste 5 minutes. Okay. Exactement. Okay. Et le quatrième point sur l'environnement qui devait concerner la préservation et autres. Alors, cet agent qui était donc sorti devait permettre au président Biya, qui avait l'ambition de se présenter en 2018, d'avoir un bilan, d'avoir de quoi se présenter devant la population. Il se trouve donc en mi-parcours. Avec tout l'argent qui avait été versé, rien n'avait été fait. Le président avait, à cet effet, lors d'un discours de fin d'année, fait le constat. On s'est donc retrouvé dans l'urgence. C'était bien planifié. Parce que tout plan repose sur une vision. Alors, ceux qui avaient élaboré ce plan avaient bafouer la vision du chef de l'État et avait justement programmé le plan d'urgence. On est en urgence, Bernard, permettez-moi 30 secondes. Oui. On est en urgence lorsque ça ne va pas. Alors l'urgence devait leur permettre de faire quoi? D'avoir des contrats gré à gré. C'est-à-dire là, il ne devait plus avoir de traçabilité. On devait s'entendre à envoyer de l'argent à l'endroit qu'on veut, en faire ce qu'on veut, sans qu'on ait un audit à faire. Alors, celui-là qui ont pensé, étant au ministère de la Planification et de l'économie, ces différents plans ont en ce moment-là prétendu que le ministère des Finances ne débloquait pas les fonds. Ils sont allés au ministère des Finances et jusqu'à présent, aucun bilan. On vous a écouté. Alors, Aimé Cyprien Linga, de tout ce que Thierry Batoum vient donc de dénoncer, que l'avenir doit être réservé aux initiateurs de cet autre plan foireux qui aura bluffé toute la République et pompé l'argent de l'État comme nous, on a vu engager trop de grands projets jamais livrés ou inaugurés, notamment les barrages, le port à l'eau profonde de Kribi, livrés sans transport ferroviaire, par exemple, ou les chantiers de la Cannes, dans quoi les ministres de Paul Biya l'ont attaché pour qu'ils soient sans réaction ou sanction. Aimé Cyprien Linga. Voilà, je ne peux pas répondre à la place de Paul Biya, je ne sais pas dans quoi on l'a attaché, mais tout laisse croire aux citoyens lambda qu'il serait effectivement attaché.
Parce qu'on ne peut pas comprendre, moi je ne peux pas être président de ce pays, même si je le serai, j'ai la conviction que je vais le diriger, moi je ne peux pas être président. Et j'engage un ensemble de projets qui foirent, qui échouent, que je ne peux pas inaugurer à terme. Et je continue quand même à garder les mêmes individus dans mon gouvernement. De deux choses l'une. Soit je suis complice de la politique de prédation de mes collaborateurs et je les garde. Soit alors je suis là pour travailler pour le peuple et je les limoge et je les mets à la disposition. Oui, puisque vous parlez de cela, pensez-vous qu'un jour le président de la République sanctionnera Lupol Moutazeux, Alamine Ousmane Mé, Fouda Séraphin, Ngani Ndjoum Messi ou alors Ngongo Ferdinand? Si j'étais le président, je sanctionnerais ces messieurs avec la plus grande énergie. D'abord, moi, je suis un révolutionnaire, je suis un sankariste, et je suis vraiment un disciple de Jerry Rawlings. Vous savez que ces différents dirigeants, qui pour moi sont des modèles, ne toléreraient jamais ce genre de gabegie. Et je pense que si j'étais à la place de M. Biya, ces messieurs ne se pavaneraient même plus, ne seraient plus en train d'enfumer les citoyens, qu'ils ont abusé. Parce qu'en fait, le constat, il est là. Le constat d'échec est là. Il est patent. Et dans le présent, le président devrait le sanctionner. Je pense, il a intérêt, s'il ne veut pas être comptable lui aussi, s'il ne veut pas être qualifié par le peuple camerounais comme celui-là qui a lui-même adoubé la prédation, qui a à court dans son gouvernement, il faut limoger ces messieurs dans les brefs délais et les mettre à la disposition de la justice. D'accord. C'est d'ailleurs pourquoi je parlais tout à l'heure de l'exigence rapide de la mise en place d'un nouveau gouvernement fait de patriotes et surtout de patriotes. D'accord. Alors, en une seconde, hein, Thierry Batoum, si je vous pose la question de savoir, parce que c'est terminé, le Cameroun s'en sortira-t-il avec de tels dirigeants? Pas du tout. D'accord. Ok. Votre mot de fin, Aimé Cyprien Olinga. Oui, vraiment que... En 5 secondes. Oui, c'est là où je voudrais aborder la prière et espérer justement, tout en priant le Seigneur, qu'il abrège les souffrances du monde et que le fameux coronavirus, n'est-ce pas, puisse être très rapidement maîtrisé. Et je crois que c'est la place de la prière à ce moment, mais pas en ce qui concerne l'économie. D'accord. Votre mot de fin, Thierry Batoum. Je voulais juste vous remercier, m'excuser auprès des téléspectateurs qui ce soir se sera attendu à entendre une voix d'opposant. D'accord. Merci également à l'administration, donc la présidente du conseil d'administration, Mango Dika, et le fondateur de la cette télévision, Mango TV, Romeo Dika. Merci à toute l'équipe technique, à Bouba et même on a aussi notre ami qui est au four et au moulin, le caméraman Moussa. Donc merci à tous les téléspectateurs qui nous ont regardés. C'est donc Reverber, Moulouk, si vous le voulez bien. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.